Et bonsoir. Ce qu'on va faire ce soir, c'est pas être... Non, c'est trouver à l'intérieur de soi une joie qui ne dépend pas des circonstances. Qu'est-ce qui fait que la joie d'un enfant devient un adulte triste? Peut-être bien que dans l'éducation, on peut faire en sorte de ne pas réprimer la joie des enfants. La joie, c'est pas tout le temps « Allez, mon chou, allez, on joue !» La vraie joie, c'est celle qui permet à l'enfant de se sentir connecté. C'est celle qui permet à l'enfant de se réaliser. C'est celle qui permet à l'enfant de se sentir important, signifiant. C'est celle qui donne sens à sa vie. Comment je donne à mon enfant sa place? Moi, je suis très heureuse d'être là. Les conférences sont très vivantes, sont très, c'est plutôt interactif. C'est pas juste la théorie posée et un peu rébarbative. Oui, j'ai beaucoup apprécié la synthèse qu'elle a faite. Ça a fait revenir aux essentiels. C'est une autre façon de voir le rapport à l'autre, au-delà de l'éducation. Elle est vraiment dans l'humain, on sent qu'elle ressent les choses. Et je conseillerais grandement. Je le conseille à tous les parents, à tous les grands-parents, à tous les professionnels, enfin tous les gens qui ont besoin de vivre mieux le rapport à leurs enfants. Parce que ça peut servir à tout le monde, ça peut permettre d'ouvrir des voies de réflexion, des pistes de réflexion et permettre aux futurs enfants d'aller de mieux se développer.